chanson dans une librairie. Du mou au mot. Ici, du côté mer Méditerranée, on dit plutôt mou. Moulade. Et là-haut, du côté manche, mot. Moulade. Et du côté atlantique, c'est tantôt mou, moulard, tantôt mou, moulard. Mou, 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 Voilà, et dis ton poème, fais ton poème. Déjà, ça compte. Après, si tu es mort, tu regardes, tu le liras comme tu voudras. Mais tant que tu y vas, la façon dont je le fais, ça change tout. Alors moi, je voudrais savoir justement, c'est quoi la différence entre dire un poème et faire un poème? Mais là, pas. Le poème, on fait penser beaucoup plus qu'il n'en dit. On peut par contre réfléchir sur ce que font les poèmes, sur ce qu'ils nous font, en quoi ils nous agissent, en quoi ils nous transforment. On débite! On démarre! Merci d'abord d'être là, hein, c'est notre endroit, c'est là où nous travaillons, c'est là où nous cogitons, etc. Hein. Mais avec votre présence ici ce soir, il y a tout de suite un mot qui me revient avec une certaine angoisse, c'est d'un de nos plus grands poètes, Victor Hugo. Hein. Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Oh, vous êtes venu faible, Munich. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Mais il y a une chose qui arrange tout, hein? C'est la présence de Poitevin. Hein? Alors, avec lui, la musique, hein, reprend, disons, son envol, reprend toutes ses possibilités, hein, et reprend, disons, toutes ses raisons d'être. Nous prononçons un nom qui nous est cher, celui de Julien Poitevin, hein, et puis, hein, que la soirée soit grande. Yeah yeah. Nous, on a la chance d'y être, quoi, de faire partie de ce mystère encore. Des fois. Moi, en fait, c'est ce qui me fait vivre. Sans rigoler, quoi. C'est ce qui me fait cheminer, quoi. Sinon, je serais vraiment dans la merde, quoi. Alors que ça ne sert strictement à rien. À rien. À rien.